Alors bonjour tout le monde, ici MSN Boot 2013. Alors bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo concernant la rapidité de Windows 7. Comment faire pour améliorer la vitesse ou augmenter la vitesse de Windows 7. Alors première des choses, on va sur démarrer, puis prendre notre configuration, outils d'administration ou administrative tools, par la suite services, ici on cherche superfetch, on fait un double clic, on fait une sélection désactivée, appliquer. Ok, c'est bon. Alors maintenant on doit redémarrer notre ordinateur. Alors juste après le redémarrage de Windows, on y va sur contrôle, on fait contrôle alt supprime, puis après on sélectionne ouvrir le gestionnaire des tâches. Par la suite, ici on a la mémoire utilisée. C'est quand même positif parce que je suis en train d'enregistrer avec un programme très puissant et il utilise beaucoup d'énergie, de beaucoup de mémoire. Alors, je vais vous faire une image, une photo juste après la vidéo. Alors, comme vous avez vu, c'est très positif. Oui, c'est en 28 mégas avec et 1%. C'est vraiment quelque chose de très agréable. Alors, maintenant, on va essayer de démarrer un programme, une application pour tester la rapidité. Alors, j'ai décidé d'ouvrir Office puisqu'il est un programme qui utilise un peu pas mal. De mémoire. Alors Microsoft. Alors comme vous avez vu, c'est très rapide, c'est même pas une seconde. Alors on va ouvrir Excel. Rapide, très rapide même. Alors, comme vous constatez, c'est super et c'est vraiment excellent, c'est rapide. On va voir un dernier programme pour vous montrer. C'est rapide, c'est excellent. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention habituelle. Vous pouvez toujours nous joindre sur http://facebook.com/professionnel-informatique. Ou vous abonner sur notre chaîne YouTube MSN Boot 2013.